Bonjour à tous les amis, c'est Origam33 et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale ma foi. On est sur Minecraft, hein, je pense que vous reconnaissez bien. Ceux qui me suivent depuis la première vidéo savent ou en tout cas reconnaissent un petit peu là où je suis. En effet, j'ai décidé de faire un petit retour aux sources pour cette vidéo et de continuer de vous présenter le serveur que j'ai avec mon meilleur ami. Et notre ami très cher à mon cœur. Alors, voyons voir. Oui, comme je vous le dis, ma première vidéo, ma toute première vidéo commentée qui est parue sur cette chaîne, était sur ce serveur. Et d'ailleurs, je vous mets un petit lien là maintenant, là, bim, comme ça vous pouvez aller regarder. Alors, ne faites pas attention à la qualité audio, hein, c'était dégueulasse, je sais, j'enregistrais avec le micro de mon PC à l'époque. Et maintenant j'ai un petit casse-micro tout bueno. Et donc c'était sur ce serveur. J'avais commencé de vous le présenter. Je vous avais présenté notamment ce qui me sert de base en fait, que j'ai nommé La City, car plein de tours, voilà, c'est mon kiff un peu. D'ailleurs il y en a une nouvelle par rapport à la première vidéo, celle-ci, voilà, c'est la plus haute que j'ai pu faire. Elle est au maximum de hauteur, donc voilà, elle est très haute. En fait, c'est une sorte d'hôtel avec des chambres, tout simplement. Il y en a ici, il y a les mêmes à tous les étages. Regardez, hop, sauf que elles sont inversées à chaque fois. Il y en a une là, à l'étage, elle est là, enfin, etc., etc. Et donc, j'ai décidé pour cette vidéo de faire un petit retour aux sources, de vous présenter la suite, enfin, quelques autres éléments de ce serveur. Car nous ne nous sommes pas arrêtés à cette city, ni au château que je vous avais présenté, ni à la patinoire que je vous avais également présenté, et le Panthéon aussi que je vous avais présenté, il me semble. Et en plus, ça tombait bien parce que j'étais un peu en manque d'inspiration concernant notre aventure sur le mode survie. Et donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo. D'ailleurs, oui voilà, donc ça, oui voilà, je regarde ma montre un petit peu pour voir un petit peu le temps de la vidéo. Et donc nous sommes partis, je vais vous présenter d'autres choses, notamment la maison de mon collègue, de mon meilleur ami, qui s'est construit, qu'il a nommé la maison de campagne. Alors je suis désolé si ça lag, tout simplement parce que je dois supporter plusieurs trucs, notamment mon serveur, tout simplement, c'est moi qui le lance, donc forcément ça prend des capacités de mon ordi, tout simplement, plus le logiciel d'enregistrement, donc ça lag fortement, je suis désolé. Je peux pas faire mieux. J'ai le rendu de distance le plus faible. Voilà, donc voilà, c'est tout simple. Je voulais vous remercier d'être toujours aussi nombreux à suivre mes vidéos. Voilà. Et donc je voulais aussi faire cette petite vidéo pour vous remercier. J'ai une bonne nouvelle, les amis. Je vous avais dit que j'allais aller chez mon cousin Cruxy. Ah non, le mouton, il va m'arrêter. Saloperie. Saloperie de mouton, tu vas t'en aller. Ah, voilà, gros coup de lag, je suis désolé. Casse-toi, merci. Hop. Oui, donc je reprends. Je vous avais dit que j'allais chez mon cousin cet été pendant une semaine. C'est fixé. Voilà, on a fixé une date, j'ai pris les billets de train, tout ça. Bon, ce sera pas une semaine, ce sera 5 jours, hein, mais bon, c'est du pareil au même. Ce sera du 15 au 19, du lundi 15 au vendredi 19. Et donc on va essayer, je pense, de vous enregistrer devant. Ah, je bafouille, de vous enregistrer quelques vidéos. Bien sympathique, ma foi. Je sais qu'il a du matos pour faire en face commentary, puisqu'il l'a fait avec sa chérie, Miss Cruxy. Il le fait aussi des fois dans ses vidéos maintenant. Donc on va voir, faudra réfléchir à tout ça. Et donc, en conséquence, je ne sais pas si je pourrais sortir une vidéo le mercredi 17, donc le 17. Je verrai, je prendrai peut-être un peu d'avance sur l'aventure Minecraft. Ou alors j'enregistrerai une petite vidéo autre que Minecraft que je posterai de chez lui. Je verrai. En tout cas, voici la gare de mon meilleur ami. Voilà, avec plein de rails qui partent. Voilà, alors ça c'est sa maison. Si jamais. C'est ses initiales ici, hein, le mec il est pas trop mégalo, ça va. Alors il y a un petit code pour entrer. Hop, voilà, avec des pistons et tout. Ah, il est un spécialiste des, enfin un spécialiste. Il aime bien les circuits de Redstone. Il aime bien les faire. Voilà, donc c'est son kiff.
Alors, il a pensé cet endroit comme un endroit de relaxation, une sorte, pas de monastère, mais un endroit voilà, où se relâcher, une maison de campagne, voilà, tout simplement. Et donc, il a une cour intérieure, une sorte de patio. Là, regardez comment c'est joli. Avec des chambres tout autour, enfin des chambres, des salles avec différentes, uti ah, différentes utilisations. Bon, là, il y a une salle, on ne sait pas trop à quoi elle sert, hein, n'est-ce pas? Si tu regardes cette vidéo, tu sauras qu'il faudra l'aménager. Là, un bureau, comme c'est indiqué sur la carte, enfin sur la pancarte, pardon. Voilà, un petit bureau. Là, une salle de télévision. Voilà, une bonne télé en plus. Là, une salle d'exposition avec, et là c'est la surprise, un passage secret. Eh oui. Et où qu'il est le passage secret? Où qu'il est le passage secret? Eh ben, il est là. Il est par là. Hop! Avec un levier qui ouvre une gare secrète. Voilà. Mais je ne vous ah, mais je bafouille moi aujourd'hui, c'est pas possible. Je ne vous en dirai pas plus, ma foi. Parce que c'est secret, tout simplement. Non, mais ça mène à une bibliothèque secrète et tout. Ça c'est bien stylé. Là, une autre salle où on ne sait pas à quoi elle sert, mais si c'est l'entrée, en fait, je crois, du passage secret. La chambre principale, la chambre de mon meilleur ami, donc. Tac, bien bien décoré et tout. T'as vu? Hop. On va fermer la porte. Il y a une double entrée dans cette chambre. Là, ici, c'est la deuxième porte. Là, c'est une chambre d'amis, je crois. Oui, c'est ça. C'est ma chambre, en fait, en gros. Voilà, donc la même chose, en fait. La même, mais à côté, en gros. Voilà. Ensuite, là, il y a une autre pièce, on ne sait pas ce que c'est. Une salle à manger. Toute simple. Un fumoir, voilà, posé en mode cigare, chicha, tout ça, et d'autres choses plus ou moins illicites. Ensuite, une bibliothèque, voilà, tout ce qu'il y a de plus correct. Voilà. Là, une cuisine, parce que la cuisine, c'est nous et Schmitt, voilà. C'était la petite blague. Et voilà, on a fait le tour. Et la cerise sur le gâtal, sur le gâteau, pardon, double blague, une salle de cinéma, voilà, salle de cinoche, avec un petit balcon, là on peut se poser tranquille, t'as vu? Ah, il pleut je crois, on va régler ça tout de suite, j'aime pas quand il pleut, c'est l'avantage du serveur, hein. On peut tranquillement régler le temps. Ce qui est plutôt agréable. Et là, ouverture, fermeture, on va ouvrir. Hop. Voilà. On sort. Et on referme avec le bouton fermeture. Et voilà. Voilà, là, je vous ai présenté la petite maison dans la prairie. On va aller maintenant chez mon autre collègue. T'es d'ailleurs, voilà, c'est chez lui, chez Alex. On va chez Alex, donc. Excusez-moi, une petite toux. Voilà, alors il faut savoir que ce Alex en question est pas enfin il joue pas souvent à Minecraft. Ça fait que il avait fait au départ une maison, tout ce qu'il y a de plus horrible, hein, n'est-ce pas? Que nous nous sommes fait un plaisir de dynamiter quand, quand il n'était pas là, et nous avons construit une maison beaucoup plus classe à la place, et donc je vous y amène, une maison, tout ce qu'il y a de plus simple et de plus, comment dire, de plus banal quoi. Elle est pas grande, elle est pas petite non plus, c'est tout ce qu'il y a de plus banal, mais elle est sympathique. On avait pris pour ça un blueprint. Je vous avais déjà expliqué ce que c'était lors de ma première vidéo. C'est une sorte de plan par niveau en fait qu'on peut trouver. C'est bizarre parce qu'on n'en trouve pas sur internet, mais par contre il y a une appli iPhone qui en donne, une appli Minecraft qui donne des blueprints comme ça. Et si on veut en avoir plus, bien sûr, il faut payer un premium, mais vous en avez des gratuites, et des gratuits, je sais pas si c'est féminin ou masculin d'ailleurs.
Et donc on avait pris cette maison en blueprint et on l'avait réalisée. Et c'est celle-là de maison, tout simplement. Alors on va rentrer. Juste pour vous montrer, de toute façon il n'y a pas grand-chose à voir. Hein. Pas grand-chose à voir. Il y a une sonnette. Voilà. Voilà, vous l'avez entendu normalement. Le son est activé, donc normalement c'est bueno. Ah ça lag là, mais ça lag bien comme il faut même. Là voilà. Une maison, tout ce qu'il y a de plus charmant, de plus coquet. Avec une piscine à l'arrière, je vais vous montrer. Oh là là, ça lag bien là. Ouf. Des fontaines. Aïe aïe aïe. Voilà, une piscine à l'arrière. Je vais vous montrer. Alors, ça on l'a laissé en l'état, parce que bon, on s'est dit qu'il ne fallait pas qu'on abuse non plus. Il a essayé de faire un stade de football américain. Je l'ai bien essayé, bien sûr. Voilà, c'est... Comment dire? C'est une tentative, on va dire, voilà. C'est une tentative qui ne tente rien à rien, mais en l'occurrence, nous on trouve pas ça génial. Voilà. Bon, on lui a laissé quand même, on l'a pas dynamité. Hop. Et donc, je vous ai montré ça. Je vais vous montrer autre chose maintenant. Je vais vous montrer... Ah, je vous laisse la surprise. On va y aller. Vous savez quoi? On va y aller. Pareil, on l'a fait. Attendez, je suis pas sûr si on l'a fait à partir d'un blueprint, oui, parce que c'est tellement immense de toute façon. On n'a pas pu le faire. Comment dire? De par l'imagination, c'était trop compliqué à faire. Voilà, si jamais il y a une cascade, un petit jeu aquatique là-bas. Alors on va retourner. Le plus simple, je pense, et le moins long, c'est de retourner chez à la maison de campagne parce qu'il y a un rail qui va direct là où je veux qu'on aille. Donc on va retourner à la maison de campagne, tout simplement. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Voilà, tout simplement. Normalement, les vacances ont commencé pour tout le monde, je pense. Normalement. On est le combien? On est le 4 juillet. Enfin, quand j'enregistre, on est le 4 juillet. Cette vidéo paraîtra samedi, donc le 6 juillet. Oui, donc normalement, c'est bon. Tout le monde est en vacances. À part bien sûr, si j'ai des salariés dans mes abonnés. Qui bossent, voilà, qui bossent. Donc à eux, je leur souhaite bien du courage. En tout cas, c'est bien, on a le retour du beau temps sur la France, ce qui est plutôt pas mal. Même si des fois, il fait gris quand même, mais bon, il pleut pas, c'est déjà ça. Non, ça commence enfin, c'est cool, quoi, parce que bon, moi, ça fait depuis, depuis mai, depuis début mai que que je suis en vacances, donc bon, ça commence à me saouler, quoi. Enfin bon. C'est toujours ça. En tout cas, il me tarde d'aller chez mon cousin. Ça fait un an que je l'ai pas vu et ma foi, ça fait long. Donc ça va être bueno. Bien sûr, on va passer 5 jours à geeker comme des porcs, mais bon. Truc très intelligent. Là. Alors, là, s'il y a une gare en dessous, j'ai pas. Il faudrait pas que. Le problème, c'est que. C'est par là. Je sais pas si vous avez vu. En tout cas. Moi, je sais où on va. J'espère que vous n'avez pas pu voir le panneau. Oui, je me suis. Ah oui, ça, vous vous demandez peut-être ce que c'est. Ces outils qui ont des pouvoirs. Il y a une commande avec un mode qui s'appelle Essentials, je crois. On peut attribuer des pouvoirs à des objets. Alors, cette épée, elle me sert à mettre le jour, en fait. Tac, hop, il fait jour. Celle-là, c'est pour faire fondre la neige, parce qu'il n'y a rien de plus gonflant, de plus gonflant que la neige, moi, pour moi. Et j'ai quoi d'autre? J'ai ça, c'est pour pour mettre le soleil. S'il pleut, bim. Voilà. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça tout à l'heure quand il pleuvait, mais bon, c'est pas grave. Et j'en ai un autre pour me téléporter sur mon meilleur ami quand il est en jeu. Ce qui est bien pratique quand il est loin. Hop, un petit coup de quoi d'ailleurs? De pelle. Oui, c'est une pelle en bois. Et bim, je suis sur lui. Alors, on va bientôt arriver. Enfin, oui, on arrive d'ailleurs. On arrive. Ça, vous allez voir. Normalement, vous allez être assez estomaqué, je pense. Non, c'est pas très malin ce que je viens de faire, mais bon, c'est pas grave. Et voilà. Alors là, c'est une arène. Mais quand je dis une arène. C'est une arène quoi, c'est boum boum bim bim quoi, c'est un truc bien comme il faut. Regardez, on va monter dans les tribunes. Vous allez pouvoir constater de visu. Hop.
Alors là, c'est quoi ça? C'est quoi donc ça déjà? Ah oui, ben voilà, c'est les arrêts, voilà, c'est les tribunes. Voilà. Voilà. C'est grand, n'est-ce pas, hein? Alors, je peux vous dire que même à deux, on a mis du temps. On a mis bien du temps. Je vais mettre, vous savez quoi, pour que vous voyez mieux, je vais mettre rendu de distance un peu plus long. Juste pour, après je remettrai en cours. Mais c'est juste pour que vous voyez mieux en fait. Voilà, là c'est mieux quand même. Ouais, c'est stylé, hein. Attendez, on va voir un petit peu. On va faire le tour. Je suis content de vous montrer ça parce que c'est, on y a passé vraiment du temps. Donc là, on est dans les tribunes pour les pécores, en gros, parce que là, c'est les VIP, hein. Vous voyez bien, hein. Donc là, c'est pour les pécores. Avec les avancées pour protéger de la pluie. Tout ça, des spots. Enfin, des spots, des sortes de projecteurs et tout. Enfin, de la lumière, quoi, en gros. Je vais juste. Il faut descendre aussi parce qu'on a. Il y a. Il y a l'entrée pour les gladiateurs, il y a l'entrée, il y a les vestiaires pour les gladiateurs, il y a les dortoirs pour les gladiateurs, c'est tout un complexe sportif qui se trouve ici. Et l'astuce pour y aller, si j'y arrive, non, je me suis gouré, c'est pas grave. On va descendre, vous savez quoi, on va descendre parce que pour y aller, tout simplement, il faut prendre l'entrée principale en dessous. Voilà, ici. Avec les deux couleurs, ici, qui représentent en fait les deux équipes. Alors là, vous avez. Alors, là, vous avez les dortoirs. Voilà. Pour les combattants. Avec la chambre du chef, en gros. Du capitaine, hein, en gros. Voilà. Et en fait, dans chaque coffre que vous avez là, vous avez un stuff. Là, vous voyez, ici, vous avez un petit stuff. Alors, plus ou moins bien, vous voyez. Avec des styles de combat différents, corps à corps ou à portée, à longue portée. Là, vous avez un truc d'entraînement, une arène d'entraînement. Avec symbole du yin et du yang, une sorte de tatami en gros. Ah! Et si j'arrive à passer la porte, ce serait pas mal. Merci. Et là, en fait, c'est un distributeur. Et si vous tombez. Ça définit les stuffs en fait. Parce que si vous tombez sur une pomme, ça vous donne le stuff cuir et longue portée, enfin avec les arcs. Si vous tombez là-dessus, c'est pour le stuff. Alors, je crois que c'est du fer et vous avez une épée. Et là, c'est le stuff de la mort qui tue avec des trucs en diamant ou des trucs en chaîne, je sais plus. Donc, c'est plutôt pas mal. Là, oui, c'est pour rentrer dans l'arène carrément. Voilà. Tac. Tout simplement. Là, vous avez une sorte de couloir qui fait tout le tour en fait. D'ailleurs, il y a un escalier là, ça doit être pour pouvoir. Attendez, je vais voir pour voir. Je me souviens plus trop ce qu'il y a au bout. Ah bah oui, bah voilà, on retourne ici. On retombe ici. Enfin, on retombe. On est de l'autre côté en gros. Ça fait tout le tour. Ça, on est sous les gradins en fait là, tout simplement. Hop, petit bug, désolé. Ah, j'ai une petite toux qui m'énerve. Excusez-moi d'avance. On entend des chiens-loups, donc ne vous inquiétez pas. C'est parce que dans l'arène, il y a aussi normalement des animaux. Hein. Hey. À la romaine, quoi, les gars. Donc là, c'est exactement la même chose, le même système de l'autre côté. Et là. Vous avez des loups, tout simplement. Et on va pas ouvrir parce qu'ils sont féroces. Là et là. Et ici, si on va par là, on arrive dans l'arène également.
voyez, attendez, je vais me placer quand même pour que vous voyez. Voilà, on est au centre de l'arène. C'est pas magnifique quand même. On a mis du temps, mais on la kiffe bien cette arène, on la kiffe. Parce que franchement, elle est vraiment stylée, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop, alors, voyons voir, voyons voir. J'ai autre chose. Ah, je bafouille. J'ai autre chose à vous montrer, mes amis. Vous allez voir. Là aussi, vous allez kiffer, normalement. C'est pas loin, c'est juste derrière l'arène. Alors là, j'y suis pour rien. C'est mon meilleur ami qui s'amusait tout seul. Pendant que j'étais pas là. Pendant que j'étais pas sur le serveur. Un jour, je reviens sur le serveur, il me dit, viens voir. J'ai quelque chose à te montrer. Il s'était amusé à faire un peu de pixel art. Ah, c'est tout, c'est pas vrai ça. On contourne l'arène. Là, vous pouvez vous rendre compte qu'elle est assez grande. Et là. Et là. Et là, voilà. Nyan Cat. Vous savez ce que c'est Nyan Cat quand même? Si vous ne savez pas, vous avez raté votre vie un peu. C'est tellement. Waouh, c'est tellement magnifique. Regardez ça un peu. Il a fait ça tout seul, enfin, il a eu de l'aide sur Internet, mais il a fait ça tout seul, et franchement, respect, quoi, parce que c'est costaud, quand même. Il est mignon, hein, n'empêche, le Nyan Cat. Je me rappelle qu'il y a, enfin, je sais pas si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, mon cousin avait comme fond d'écran, s'il regarde cette vidéo, il pourra en témoigner, il avait comme fond d'écran Nyan Cat. C'était l'année dernière, s'il avait un fond d'écran, mais magnifique, en plus, trop stylé, en HD et tout, tout bueno. Avec Nyan Cat. Et là, cette arène là, avec la même entrée de l'autre côté, c'est plutôt pas mal. Du coup, les amis, ça fait plus de 20 minutes qu'on enregistre, et je pense qu'il est temps de se laisser. Je vous réserve encore quelques surprises concernant le serveur, puisque tout simplement, nous sommes en train de travailler assez activement à la ville dont je vous avais parlé lors de ma première vidéo. Une ville que nous essayons de réaliser proprement. On a recommencé à s'y mettre il y a quelques jours. Alors il y a beaucoup de travaux de terrassement, tout ça avant de pouvoir construire tout simplement. Mais on y travaille et je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, je pense, pour boucler la boucle un petit peu. On se retrouve très vite pour la suite de nos aventures sur Minecraft, mais aussi pourquoi pas d'autres vidéos. Il faut que j'y réfléchisse tout simplement. En attendant, portez-vous bien, je vous aime, je vous apprécie. Pensez à laisser un petit like, un petit commentaire. Comme je vous le dis à chaque fois, ça me fait plaisir de voir, par exemple, par exemple, je sors une vidéo et il y a peut-être un pouce rouge pour 30 pouces verts. Et c'est appréciable, franchement c'est appréciable, même si je casserais bien la gueule à celui qui a mis le pouce rouge. Non, je plaisante évidemment. Chacun a son avis. Je vous aime, je vous apprécie, portez-vous bien, on se retrouve très très vite. Allez, ciao ciao ciao!